Avis global de Wukong Jungle. Je pense que c'est l'un des meilleurs jungles AT. Après, tous les jungles se valent, donc c'est pas non plus broken, mais je pense que c'est l'un des meilleurs. C'est pour ça qu'on voit des 5v5 à l'Herald. Bah, en vrai, l'Herald, no joke, c'est vraiment OP. En fait, depuis qu'ils ont mis les golds dessus, genre, depuis qu'ils ont mis les 300 golds, c'est vraiment trop con, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. En fait, legit, c'est un kill gratuit, genre, mais vous vous battez contre personne, donc bah. Enfin, dans l'idée, vous vous battez contre personne, quoi, c'est un monstre de la jungle. Ça donne quoi la nouvelle méta Croco? Est-ce que cela arrive à la jouer? En vrai, si on fait des flex tryhard ou quoi, je pense qu'on devrait en tout cas. C'est vraiment le meilleur moyen de faire Hercule les ennemis à 15 minutes. Press my blade pas vers Wukong, parce que je déteste ne pas avoir de mousse speed en jungle. Et le problème de Wukong, c'est qu'il se déplace pas assez vite à travers la carte. Et le smite bleu t'aide beaucoup. Et en plus de ça, en fait, s'il y avait eu beaucoup de CC, je l'aurais fait, mais là, pas besoin. Ok, j'ai pas eu. Je réfléchissais pas parce que je parlais avec vous dans le chat. Mais en temps normal, j'aurais dit attention, enfin, KR level 2 Jarvan. Et je vois que mon équipe, c'est Ward. Donc, ils ont la présence d'esprit de le faire. C'est excellemment bien joué de la part. On sent qu'on a une équipe qui a envie de gagner là. On sent qu'on a une équipe qui a envie de gagner. Parce que je vous jure que le niveau 2 Jarvan 4, tout le monde se le prend à chaque fois. Alors que c'est vraiment obvious. Et là, qu'ils se mettent safe en mettant des wards, ça prouve bien qu'ils sont éveillés là sur la carte. Ils ont envie de jouer correctement. Il va faire un Jarvan full clear, sauf que moi j'aurai tous mes HP à la fin du clear là où lui il aura tout perdu. Parce que moi je stack de l'armure, donc mon perso est complètement OP pour clear des camps. Mirage, tu devrais Sabine en LFL à la place de Chatham pour une game. Arrête, le problème c'est que si je fais ça, je peux pas jouer le TF si je me mets en sub. Alors là par exemple, je vais pas full clear. Je vais aller les aider à crash. Je peux même attendre que le Jarvan commit. Et au pire du pire, j'aurai rien perdu. Ok. Tu vas récupérer une wave. Ah, je dois avoir le give. C'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai cover bot, c'est le plus important. Je vais stack de l'armure. Si jamais ils viennent m'invade, ils me tueront jamais. Ma botlane arrive très bientôt. À moins qu'ils aient le fizz advantage. Normalement. Ouais, si je dis pas de bêtises, il a pas fait ce camp là. Bah, c'est dommage, mon gars. Back TP, ça marche aussi, mon gars. Hein. Si jamais. Oh, plus deux. Oh. Ouais. Ça a pas très bien joué, on va pas se mentir. J'ai 4 Sabah Wukong en 1v1 dans le premier niveau, non. Wukong c'est un champion qui stack de l'armure, donc il perd pas en 1v1 en early. C'est juste un peu dommage que J4 récupère une free assist là-dessus. Ah, après il joue l'Ethal Tempo avec son J4, ouais je pense quand même qu'il gagne pas. Hein. Peut-être qu'avec l'Ethal Tempo il peut gagner, mais ça m'étonnerait. Hein. Conqueror ça reste pas trop mal. Et je pense qu'il l'avait. Il l'avait, mais c'est pas grave. Au moins, je sécurise le kill. Ok, il a fait un early Drake. Dans le pire des cas, je pouvais pas le. Oh merde, c'est pas grave. Dans le pire des cas, je pouvais pas le contest parce que j'ai fait un move top. J'aurais pu rush dessus, mais on avait pas de prio bot. Et je pense que les 2v2 mid jungle sont complexes tant que j'ai pas mon 6. Il a très envie de go comme un fou furieux là. Hein. Avec son fizz. Sinon, il va se faire poke. Je vais le cover, hein. Ça me dérange pas de perdre un peu de temps pour lui. Ça me dérange surtout pas de récupérer des kills gratuitement. Il y a plus de mana, faut que j'aide à push. Mais putain. Ça casse vraiment trop les couilles hein. Arrête, l'Herald est tellement gros. L'Herald est tellement gros que c'est impossible de cliquer sur Jarvan. Il faut que je Q-click. Sauf que mon Q-click, il n'est pas bien setup. Je sais pas comment le changer genre. J'ai envie de crever. Marteau de Cofil, c'est mieux que Brillance en early. Bon, je pense que tu peux prendre une petite épée longue et une petite Brillance, c'est bien, c'est un petit spike à Brillance. Ça te permet de sécuriser l'équipe. Je m'attendais pas à ce qu'il ait les couilles de revenir. Et de mettre une grande auto sur l'Herald. Parce qu'en fait, il se suicidait s'il faisait ça, il le savait, mais il l'a quand même fait. Le pire, c'est qu'il a level up en plus là-dessus. T'as pas le truc pour target champion, non, je l'ai. Enfin, ouais, tu penses pas que ce soit le bon truc, genre.
Parce que j'utilise un Q-click, mais je crois qu'il target pas uniquement les champions, hein. C'est ça le problème. Comme c'est que ma bot lane perd quoi. Ouais, je vais reset. J'ai reset, aller chercher mon divine, c'est important. On a quand même vachement overcommit, hein. J'avais tout pour la tuer, hein. Il n'y avait pas, pas besoin d'utiliser mon LR et tout sur moi, hein. Mais bon. T'es mort, mon gars. No flash. Je pense que c'est trop de la merde d'avoir commit des trucs comme ça. Il a toujours pas l'item avec son. Wukong. Enfin, avec son Jarvan, pardon. J'aurais peut-être pas dû faire ça, hein. J'aurais peut-être pas dû commit pour tuer le Rakan. Il avait une stopwatch, gros. What the fuck? ~670 d'ultimate, quand même, ça fait pas mal. Si vous voulez mon avis. Quelle chambre de fou, frère. Puis ça va être un calvaire pour l'avoir. C'est trop nul, frère. Ah, le truc c'est que je peux tuer leur backline, je peux un Venom la game, mais Fizz il va être ingérable, genre. Il erre ici, genre. What the fuck, gros. Erre. Merci, Lulu. Je suis quand même mort. Peut-être qu'elle peut le tuer. Allez, allez, allez. Faut aller le chercher là. Ouais, Lulu, bien joué. Yes. Yes. La bête. Oh oui, je me suis fait evolve. Ouais, avec 3 items, il y a un monde où j'ai un V9. Mais le truc, c'est qu'il a pas de CD. Il a pas de CD, Fizz. Il perd ma E, il perd ma Q, il perd ma. Il est unreachable avec mon champion. The 1v9 god, yes it's him guys. Yes, yes, yes. Gucci, Gucci. Je le rattrape, je passe dans les bushs, je proc de la MS. Wouhou. Par contre, il joue vraiment comme des putains de plouks, hein. La Caitlyn, elle est laissée mais toute seule. A chaque fois que je suis là, gros, je lui dashine dessus, y'a personne qui me dérange. Pas de R, pas de rien. Rakan, il est là, je pense pas ce qu'il fait. Complètement à l'ouest, les joueurs. Complètement à l'ouest. Je vais pas m'en plaindre, ceci dit, parce que ça me permet de gagner la game, donc c'est très bien, mais tout de même. Il a raté, hein. Vous savez qu'il a raté avec son horde, hein.
Il y a 3 personnes stackées, il a touché personne, hein. Alors que là, s'il touche, la Caitlyn est morte, hein. Oh, un E à la sortie. Ouh, dommage. Oh, l'erreur. Il est gros, mais il se fout de la gueule de qui. Gros, mais... What the fuck, qu'est-ce que je vois? Ah, j'avoue, on peut reset. On peut reset pour aller jouer le Drake. Ah, I don't know. Ah. Mais gros, mais qu'est-ce que c'est que ces games cancer de baiser, frère?